rien, suis-moi Nikos, je vais t'emmener. Alex, ok, ça marche. J'ai pas plus d'infos que ça sur le dossier là, je suis dans la police, mais je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas trop. Oh, Alex, Alex. T'as la visite, Alex. Ah, j'étais en train de faire un peu de sport. Ami. Ah, Nikos. Alors, comment tu vas? Bah écoute, ça pourrait aller mieux. Regarde où je suis. C'est possible de rentrer le voir ou pas? Ouais, oui, allez-y, allez-y. D'accord. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Ah, mon poteau, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir, mec. Attends, viens. C'est clair, faut que tu me sortes de là, gros. Faut que tu me sortes de là. Ouais, non, mais t'inquiète. Ouais, non, mais je suis en train, je suis sur le plan là, écoute. Je fais tout ce que je peux et je peux t'assurer que d'ici, quelques jours, t'es sorti de cette merde. Ouais, tu vas réussir à réunir assez d'argent. Ouais, t'inquiète, je suis sur un coup là, je suis sûr, ça va marcher, je pourrais te sortir de là. Parce que j'ai essayé de joindre l'avocat, tu vois, et je pense qu'il nous a lâché. Hein. Je pense qu'il a quitté la ville et tout. Ah, mais de toute façon, honnêtement, on peut vraiment se fier à personne ici, faut vraiment avoir des confiances. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah écoute, essaye de faire le maximum. De toute façon, je te fais confiance. Bon, t'as vu, je me suis laissé un peu pousser les cheveux, écoute. Oui, bah ça te va bien. Voilà. Bon bah écoute, en tout cas vraiment je t'assure que d'ici quelques jours t'es dehors avec moi. Ah, j'espère. Allez, viens là mon pote, fais-moi une accolade. Vas-y, on se fait une accolade. Merci d'être venu me voir. Bah t'inquiète pas, c'est normal. Hein. Ouais, et puis Alex, Alex, essaye de te tenir à carreau là jusqu'à la fin de l'appel. Hein. À plus tard. Ok mon gardien. On te laissera pas tomber. Bon, merci d'avoir permis la visite en tout cas. Bon Alex, tu vas me suivre du coup. Je me suis arrangé pour ta sortie de prison là, c'est moi qui gère ça. Et il y a Nikos qui a payé ta caution là, du coup il t'attend devant pour te récupérer. Non, c'est vrai? Ouais, tu le remercieras, Nikos. Ah oh, putain, c'est cool. Et je me suis organisé, là, je suis cadet, mais j'ai réussi à faire ta sortie de prison, là, comme tu peux le voir, du coup. Ouais, je vois ça. Maintenant. J'avais pas que t'étais rentré dans la police, Stéphane. Si, bah, de toute façon, ça arrangera après, mais oui, j'ai certaines raisons aussi. Ok, bon, écoute, merci pour tout. Ouais, bah, je te raccompagne à la sortie, à Nikos. Je te suis. T'as été silent ton séjour en prison, pas trop dur? Ouais, il faut savoir un peu se faire respecter, ouais, ça a été un peu compliqué au début, mais bon, ça va. Mais je pensais pas que tu te retrouverais en fédéral, moi, pour l'histoire, justement. Ouais, c'est parti loin, hein. C'est parti loin. Oh, Nikos. Voilà. Oh, salut mon gars, comment tu vas? Putain, ça me fait plaisir de te voir, en vrai. Bah ouais, carrément, ça fait un bail. Oh, t'as pas idée, mec. En tout cas, franchement, merci pour ce que t'as fait pour moi, là. Ah, je te dois une fière chandelle. Bah, c'était obligé, quand même. J'allais pas te laisser crever en prison. Ouais, je sais, merci, mec. Ah, oh, putain. Ouais, on va enfin pouvoir se retrouver. Tout à fait, mon gars. Ça a été en mon absence? Ouais, bah écoute, hein, il a fallu faire avec, mais j'ai fait vraiment en sorte de pouvoir venir te récupérer, quoi. Et ça a été très difficile. Hello la Denis Family, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on s'est fait une petite introduction un petit peu scénarisée pour démarrer. Je trouvais ça assez sympa de faire la transition entre le dernier épisode et celui d'aujourd'hui de cette manière. Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme vous avez pu le remarquer, il n'y avait plus d'épisode sur GTA 5 RP qui était sorti sur ma chaîne. Puisque le serveur sur lequel on jouait avant a fermé. Donc du coup, il a fallu trouver un autre serveur. On en a trouvé un, il a fallu qu'on soit whitelisté, que le serveur soit ouvert puisqu'il vient juste d'être créé et d'ouvrir. Donc là, on est en train de jouer sur le serveur de Garry's Cool. Donc un gros serveur, Serious RP, tout ça.
Et on reprend notre aventure là où elle s'est arrêtée, avec toujours les mêmes personnages, Sophia, Patrick, Nikos, et des nouveaux que vous allez rencontrer très prochainement. Et voilà, on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc les amis, là avec Nikos, on est devenu éboueur, d'ailleurs avec Patrick aussi. Et c'est un métier qui est plutôt cool, c'est assez marrant, on transporte les petites poubelles, enfin voilà. Ah ouais, mais faut me dire où on va, hein. Un tout petit peu plus loin, je dirais stop, ce sera sur la gauche. Voilà, dernière Ok. petite ruelle à la gauche, dernière petite ruelle à la gauche. Ah d'accord. Là, hop, hop, hop. Parfait. C'est du travail d'équipe, ça. Bien sûr. On est comment là dans la benne? Dans la benne. Vous voyez, on peut voir le nombre de sacs poubelles qu'on a mis dedans. Donc du coup, les amis, dans les coffres, on peut mettre, vous voyez, de l'argent propre, de l'argent sale, ainsi que des objets. Et on peut donc cacher des armes et des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est hyper cool. Tu veux continuer ou pas? Ouais, encore un petit peu. Ah, c'est derrière, attention. Ouais, je sais pas. C'est derrière? Je fais... Ça va. Ah, t'as rien, c'est une petite blague. Donc là, du coup, les amis, avec Nikos, ce qu'on va faire, on va aller vendre nos sacs poubelles et ensuite on va aller retrouver un type que j'ai rencontré sur le serveur qui s'appelle Pierre, qui était un ancien mineur qui est devenu bûcheron et qui m'a dit qu'il recherchait des gars pour faire différentes choses, ce qui nous intéresse très fortement et donc il pourrait nous rejoindre. Ah, ça y est, il veut bien te rencontrer finalement. Non, je vais pas envoyer de message, mais bon, je vais le faire en vendant les poubelles. Ah bah vas-y alors. Allez, c'est parti. Oh bonjour. Patrick dans la radio. Patrick Insider Radio. Ah, c'est Nikos aussi, je suis là. Ah bah Ah Patrick, on t'attendait, ça tombe bien. ben voilà. Je suis un peu KO, hein, je vous avouerai. On a trop fait la fête, y en a un. Bah j'ai trop peu dormi. Tu te souviens de Pierre alias Caillou alias Mineur? Pierre Caillou. Monsieur Wilkison? Non, ça c'était comment il s'appelait? Florian. Mais non, rien à voir. D'accord, bah non, du coup, monsieur. Ah si, attends. Et c'est pas le mec Quelque qu'on chose. avait emmené à l'hôpital? Ah non, c'était toi qui étais à l'hôpital, mais qui était avec moi dans le camion. J'étais avec. Oui. Ah c'est lui, ok, d'accord. Eh bah Non, du coup. non, lui c'était Florian Wilkison. Et Ah peut-être c'est pas le merde. mec qu'on a croisé à côté de la quincaillerie. Ah bah moi je croyais que c'était l'inverse. Mais non, si, tu dois avoir raison, je crois que c'est ça. Et du coup, ce que je pensais, on pourrait entre guillemets le recruter, tu vois. Pourquoi pas? Ah bah mais du coup il Qui n'y a bosse plus avec nous. Ah tiens, c'est marrant parce que du coup il n'y a plus de. J'ai plus mon nom de profession. Ah Ouais, parce que oui. t'es au chômage. T'es au chômage, ouais, la société de pêche a fermé. Ah ouais? Ouais, on est devenu éboueur. What the fuck? Ah. Ok. Bah tu veux qu'on vienne te récup? Bah oui, du coup je suis au port. Bah je vais te raconter l'histoire Je suis au après. port. Regarde Patrick! J'ai racheté mon chapeau. T'es patoche. T'as vu? Ah salut les gars. Ah. Ah bien. La femme. Ah ça va Oh bien et mon toi? Dieu. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Bah c'est mon beau chapeau. Tu te vas Marie. Ça te sied, ravi. Ah merci. Merci mon patoche. Bon, j'ai des choses à te raconter du coup. Ah ouais, D'ailleurs carrément. j'aurais des. Moi aussi j'ai des informations à vous transmettre. C'est un beau Ah. plan ça. Ça, c'est le plan de nos opérations. Eh ouais ma gueule. Parce que... Ah ouais, c'est un cambriolage. Tout à fait. Ah ouais, donc la chambre sera ici. Ah, Exactement. ok, d'accord. Et Donc la chambre donc du toi, bébé sera là, la chambre parentale ouais. sera là. Non, ça c'est les Les toilettes ça. toilettes là. Ouais. Ah. C'est quand même un peu des toilettes bizarre, hein. Patrick! Oh. Calme-toi Patrick. Pardon, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, T'as pas vu Patrick? alors. Du coup, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Et il Ouais. pourrait travailler avec nous, un peu genre pour nous, tu vois. On pourrait plus ou moins le recruter. Ouais. Pour nous, ouais, ça serait bien. Je sais pas si t'es au courant. On a des infos là, ça y est, maintenant, sur les nouveaux points. Je sais notamment où est du coup la récolte. C'est pas mal, ça c'est bien là. Tout ça pour dire que comme on sait où est le point, ce qu'on pourrait faire pour lui prouver notre confiance et puis lui pour voir qu'il peut avoir confiance en nous, on pourrait lui revendre le point. Normalement, ça vaut Bien 50 000 sûr, bien dollars sûr. l'information, mais nous, on pourrait la revendre un peu moins cher, tu vois, pour lui faire Ouais. comprendre que c'est un peu un cadeau et en même temps, il pourrait bosser avec nous après là-dessus. Ah, c'est clair, ça nous Ah, fera un bon essai, quoi, sûr. pas con du Ça tout, nous tout ça. permet
de se faire un peu d'argent pour l'utiliser pour autre chose après, tu vois. Ouais. Alors on peut stocker déjà dans un premier temps, voilà, on se dit on a déjà un petit pacteur et béton, on lui vend 35 000, au moins on se met genre 35 000 de côté, comme ça on peut, voilà, on a le temps de voir venir pour acheter d'autres choses, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi par contre, moi j'ai des infos moi aussi. Ah, je sais pas si vous avez travaillé je sais pas si vous avez travaillé avec un certain Jack Ghost. Ah, ça me dit rien. Jamais entendu parler. C'était un pêcheur, je l'ai croisé hier ou avant-hier. Disons qu'il était... À la base, il était gentil, tu vois, je l'ai aidé sur quelques petits points, on a fait une ou deux pêches ensemble, à l'époque, hein, bien une fois. Ouais. Et j'ai réussi à le faire parler, hein. Enfin, vous savez bien comment je suis. J'ai réussi à le faire un petit peu parler sur le pourquoi de la venue, du comment qu'il était là, hein. Ouais, et du coup, il m'a dit qu'il était, c'était quelqu'un qui appartenait à une, il a fait partie de l'armée. Mmh. Il est rentré dans une milice. Alors par contre, ce que je vous dis là, ça reste entre les gars. Bah bien sûr, bien sûr. Voilà, tout à fait. Toujours. Tout ça pour dire que du coup, j'ai discuté un petit peu avec cet homme. Il s'avère qu'il pourrait faire office de porte-flingue. Je lui file ses infos, il me file ce que je veux, je l'aide, il m'aide. Tu vois l'idée ? Je lui ai fait comprendre ça et il cherche, alors si on a besoin des infos, d'éliminer quelqu'un, des gens de Meriwether, hein, qui seraient actuellement en ville, il cherche absolument à liquider. Je lui ai dit que si jamais moi j'entends de mon côté des choses comme ça, je le ramène en premier. Ouais, ça c'est bon, ça c'est très très bon. Et ensuite il m'en devra une. Oh, ça, regardez les gars, regardez. Oui, oui. Oh, alors j'applaudis par contre pour ça. Ah, ça ouais, c'est oui, ça, ah oui, oui, ça c'est beau. Ça c'est, on part sur une beauté. Bien sûr. Ah ouais. Je trouve que tu dégages un style. Oh celui-là. Ça te va bien là, celui-là. Oh oui, j'aime beaucoup. Ah, celui-ci, ça fait très. Oh oui, alors lui. Oui. Ah bah, je valide, achète-le. Ah oui. Ah oui, alors là par contre, on est sur un achat instantané par contre. Hein. Ça part sur un achat instantané. Ah là. Ah oh. Ça donne un air distingué ou pas? Bien sûr. Parce que comme super ça, super. Si je me promène en société, oui bonjour. Mr. P. Mr. P. J'aimais beaucoup, j'aimais bien le Bob. Ah ouais, le Bob, il t'allait bien. Donc du coup, toi, tu cherches des collègues un petit peu pour arrondir tes fins de mois. Là, tu vois une partie d'équipe, hein. On n'est pas au complet. Est-ce que toi, t'as des infos, quelque chose ou quoi à nous faire partager qui pourrait nous intéresser? Non, pas vraiment. En vrai, je suis dans mes débuts, je suis en train de faire l'argent justement pour pouvoir... Nous, on a une seule info avec un pote. Avec un gars avec qui on cherche des infos aussi, on a une personne en ville qui peut faire le circuit complet à 100 000. Oh, putain. Au lieu des 80 des ça a augmenté, maintenant c'est 85 000 le point, donc je sais plus à combien on monte. C'est la seule info vraiment réelle que j'ai fait, que j'ai. Donc nous on a des infos sur ces éléments là. Hein. Notamment la récolte, ça c'est un point, tu vois, si tu te mets à travailler pour nous et avec nous, il y a peut-être tu vois, on pourrait te le faire à un prix beaucoup plus avantageux, parce que tu me dis que c'est 80 000 aujourd'hui, les points sont à 85 000 le point. Ça a augmenté, hein, ouais, c'était beaucoup moins cher. Ah, j'avais vu un type qui voulait me les revendre à 50. Il y a une négociation. Ouais, mais tu sais, c'est l'offre et la demande. Une fois que beaucoup plus de personnes le sauront, ça va diminuer. Ah, nous on a des bonnes offres. Donc ouais, toi tu ouais, nous on peut te faire ça à 40 000. Ok. T'es honnête, hein. Très honnête. Hein. Après, ouais, je sais pas ce que t'en penses. On te laisse le temps de réfléchir. Nous, si on te propose ça aussi, c'est parce que ça permet aussi de te montrer que tu peux avoir confiance en nous et que nous on peut avoir confiance en toi, quoi. C'est un échange de bon procédé, on va dire. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est que avec les gars on travaille en équipe, donc c'est à dire que après toi tu travailleras avec nous aussi sur les différents points, etc., quoi. On ferait ça tous ensemble. Oui, tout à fait, je comprends. Je comprends. C'est juste que voilà, si pour l'instant on a qu'un seul point, ça sert à rien de se lancer dans un truc, c'est vraiment la recherche des trois points qui va nous permettre d'avoir la suite. Exactement. Je suis d'accord avec alors ça. Après nous on n'a pas qu'un seul point. Ah oui, d'accord. Un circuit semi-complet. On a le circuit presque, ouais, semi-complet, quoi.
Ok, bah après, pour blanc, par exemple, si on arrive jusqu'au bout, pour le blanchissement, on pourra peut-être voir avec le patron. Avec les blanchiments, tu parles, moi je vois juste s'occuper du linge de maman. Oui, c'est bon. Ça. Ouais, c'est comme ça que je dis, le blanchissement, moi. Ah oui, celui-là, d'accord. On a le... Ça, on a ce qu'il faut, enfin on connaît, on sait où faire ça sinon. Vous avez la blanche, on a l'information, ouais. Ok, bon bah j'ai rien à vous vendre à part mon argent. Et ma bonne foi. Ouais, voilà. C'est déjà ça. Ah déjà, avec un prénom comme Pierre, t'es solide comme le roc. Voilà, on veut des gars solides, nous. On garde le contact, j'ai essayé de réunir 40 000. Attention, c'est 40 000 le point. Ouais, c'est 40 000 le point, ok. On a nos informateurs, on a nos façons de connaître les choses. Donc si on a ouais. Ton circuit, éventuellement pourras en bénéficier, hein, parce que tu feras partie de l'affaire. Ah oui, ça y a pas de problème. Et ça sera moins cher si le premier circuit qu'on te file fonctionne bien, qu'on travaille bien ensemble, le deuxième sera évidemment moins cher. Fait. Ce qu'on appelle la fidélité. On va faire une carte de fidélité, t'inquiète. Ça. Voilà, on va faire ça comme ça, avec ton petit nom dessus, et ben voilà. Et voilà. Ok, et bon. ça vous dérange si je mets en relation avec un de mes potes aussi? Ah, c'est un gars de confiance. C'est un gars qui travaille avec moi à la scierie. Ça fait depuis que je suis arrivé en ville, en fait, on discute ensemble, on se partage les informations, genre de... Pour l'instant, que métier, vu qu'on n'a pas les informations externe ouais. D'arrondissage de moi, donc on se partage juste les informations pour l'instant, donc c'était juste pour savoir si je pouvais l'informer de notre petit deal et peut-être nous se partager aussi l'argent, parce que 120 000 ça fait quand même une petite somme aussi. Après tu en fais ce que tu veux de l'information, si tu veux pas l'exploiter ou si tu veux la revendre, libre à toi, hein, je veux dire. Je te dis, hein, une fois que tu l'as payé, c'est comme s'il était à toi. Oh, ok, parfait. Bah, c'est ce que je pense, hein, après les gars. Voilà, après. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai que si son collègue est aussi de confiance et qu'il cherche du travail ou quoi, il peut toujours travailler avec nous. Nous, plus on sera gros, plus on sera développé, plus on pourra se faire d'argent facilement en ville. Je pense que chacun pourra y trouver son compte, quoi. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Il faudrait peut-être, alors ça c'est à terme, hein, évidemment c'est à terme. Il faudrait peut-être essayer genre de travailler peut-être plus tard dans la même entreprise, tu vois, histoire qu'on garde un lien, qu'on se voit ouais, une fois tous les trois ans. Je peux même vous donner le numéro des deux patrons de la série, hein, ils sont. J'ai le numéro et puis il m'a dit qu'il recherchait encore des gars pour augmenter son entreprise, donc. Alors c'est 555-8215. Sinon t'es équipé niveau calibre? Non, c'est dans mes achats là. Là j'ai réuni assez d'argent pour m'acheter des calibres. Ce qui serait bien justement, c'est si on travaille ensemble. Qu'on soit tous équipés, ouais, au cas où ça part en couille. C'est ce qu'il faut là. Donc, quand je parle d'équipement, je veux dire un masque pour protéger, des vêtements neutres et un calibre caché. Ou non caché, que ce soit mitrailleuse, que ce soit n'importe quoi, et que t'as ton permis. C'est bon, mais voilà. C'est du complet, quoi. Parce que ouais, y a aucun problème. Ok. On est bon du coup? Ben on est bon, moi ça me parle. Bon, qu'est-ce que t'en penses, monsieur A? J'en pense qu'il a l'air réglo. Il a l'air réglo, ouais, effectivement. Ouais. Si, puis il a l'air réglo et tu vois, comme je t'avais dit, on a gagné plus parce qu'il a même pas négocié. Il a pas négocié, ouais. Il a même pas cherché à négocier, ouais. Comment on fait d'ailleurs pour cet argent-là? On stocke où? On fait quoi? Qui le garde? Qui l'utilise? Qui l'utilise pas? Bah on va le diviser. Ouais, je propose qu'on se partage. Ça fera 10 000 chacun. Ah oui. Non, mais je parlais pour le premier point déjà. Ouais, on se fait 10 000 chacun.